Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va super bien. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo, comment payer vos jeux moins cher, voilà. Alors, je vais vous montrer deux applications de confiance que j'ai déjà commandé tout dessus. Voilà, j'ai reçu tout nickel, tout. Voilà, voilà. La première application s'appelle g2a.com. Bon, c'est sur, vous pouvez le trouver sur Play Store, voilà. Et vous pouvez payer moins cher vos jeux, vos abonnements, et etc. Regardez par exemple le gold, hop, à partir de 32 euros, alors que ça coûte 60 euros, hein. Voilà, ils sont là, ici les offres. Là vous en avez 20, voilà, vous commandez, faites au panier, vous commandez, voilà, vous recevez votre code une minute après, même pas, 30 secondes. Et voilà, après vous le tapez sur l'Xbox, échangez un code et c'est bon. Voilà, moi j'ai déjà fait, c'est pas le gold que j'ai pris, moi c'est du Game Pass. Le Game Pass c'est pour avoir des jeux gratuits, enfin des jeux gratuits, voilà, vous m'avez compris. Voilà, c'est ça le Game Pass. J'en ai commandé deux déjà, celui-là, là. Ça c'est les essais, vous pouvez faire qu'une fois, si vous l'avez déjà fait sur votre Xbox, vous êtes obligé de prendre celui-là, là. Ici. Voilà, ici. Ah non, celui-là, voilà. Et c'est moins cher que, déjà, ça fait moins cher que 10 euros. C'est pas mal, voilà. J'ai reçu le code et tout, nickel. Après les jeux et tout, là vous avez le PSN, voilà. Donc vous avez même les cartes cadeaux Xbox et tout. Par exemple, je veux Xbox 20 euros. Je sais pas s'il y a 20 euros. Et voilà, regardez. 20 euros, 20 dollars. Voilà, vous changez la monnaie sur la Xbox. Voilà, vous payez. Vous avez 20 euros et vous payez 5 euros moins cher. C'est pas mal déjà. Et voilà. Oh, j'arrive pas à quitter. Hop là, là, 20 euros. Mais là, c'est un peu de l'arnaque. Pour 10 centimes, hein. Mais c'est français aussi. Voilà, là, parfois, il n'y a pas de bonnes offres. Regardez, là, 49,50 €. Voilà, vous pouvez avoir FIFA 17, mais à quoi ça sert. Voilà, là, vous avez des jeux, là, Xbox. Hop là. Voilà, moins cher. Voilà, si je veux, par exemple... du PSN, PlayStation Plus, c'est ça, PlayStation Plus, voilà. Je sais pas s'il y a du français, ah voilà, du français. Ah non, espagnol. C'est pareil, non? Je pense que ça va être pareil. Ah, y a pas trop d'économies sur le PSN. À part si vous prenez les... non, même pas. Pas trop d'économies sur le PSN, hein, je trouve. Ah là, ici. Ah, Germanie. Je sais pas s'il y a la France. France, 10 euros, 9,80 €. Ouais, c'est mitigé pour... voilà, vous avez même les cartes Google Play. Un peu là, ici, là. Ouh, et regardez les économies que vous faites. Surtout celui-là, là. Celui-là. 78 euros pour 100 dollars. C'est pas mal, hein. Eh ben. Et voilà, par exemple, vous voulez un jeu... vous voulez PUBG. Voilà, il y a sur PC aussi. Il y a PC, Xbox et... et PS4. Voilà, regardez, 15 euros PUBG au lieu de combien? Ah mais ça c'est une clé chinoise, je crois que ça coûte moins cher en Chine, faut jouer. Voilà, mais si vous... ça coûte dans les 18 euros, 20 euros, PUBG pour Xbox et PC. La clé pour le PC, 21 euros au lieu de 30 euros, ça fait déjà moins cher. Et Xbox, voilà, 17 euros, à partir de 17 euros. Regardez bien les offres, les gars. Ne vous fait, de regardez pas juste au début. Ça c'est juste un prix, ils mettent la moitié. Voilà, je sais pas pourquoi il y a ça. Pourquoi ils mettent pas directement le moins cher. Voilà, regardez le moins cher avant, voilà, vous avez 17 euros. Regardez un peu les avis, regardez, les avis sont la plupart positifs, quasi positifs. Voilà. Pour acheter, vous faites au panier. Voilà, vous désactivez ça si vous voulez. Hop, comme ça vous payez pas plus cher. Hop, vous faites continuer. Et ça va vous mettre sur la page où vous devez payer en carte bleue et tout. Il faut accepter les conditions. Et voilà, vous allez mettre votre adresse mail et tout. Et après vous demandez le paiement, PayPal, carte crédit et tout. Voilà, c'est nickel. Après vous recevez votre code, vous le mettez sur Xbox. Et voilà.
Ça marche pour la PS4 aussi et pour le PC, voilà. Alors, on va passer sur la deuxième application qui s'appelle Instant Gaming, voilà, qui est très bien aussi. C'est un peu comme la première application. Voilà, c'est les deux applications de confiance. Regardez, là, vous avez plus de gens, on dirait. Regardez, vous pouvez précommander même les jeux, regardez, moins cher. Black Ops 4, Battlefield 5, Crash Bandicoot. Voilà, vous voyez. Il y a les précommandes GTA. Enfin, GTA, il est déjà, mais vous pouvez acheter GTA moins cher. 19€ au lieu de 70€, les gars. 70€ sur le store de l'Xbox. Imaginez, vous faites l'économie de 40€, là. 50€, même. Regardez, là, hop, là. Là, vous avez qu'une offre, de toute façon. C'est 19€. Là, vous faites acheter, et regardez, hop, là. Et après, il faudra vous connecter avec un compte. Et voilà, Google, Facebook, et voilà. Après, vous pourrez payer. Ça, c'est sur, ça c'est que sur PC. Je sais pas s'il y a le machin Xbox et PS4. Le jeu Xbox et PS4. Je pense pas. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, moi, j'ai acheté PUBG sur ça. Sur Instant Gaming, voilà, PUBG. Voilà, celui-là, moi, j'ai pris. À droite. J'ai bien reçu, il est sur ma Xbox. J'y joue pas trop, je joue plutôt à Fortnite. Mais voilà, parfois quand il y a les mises à jour ou quoi, je joue à PUBG. Voilà. Il est beaucoup bugué sur PS4. Alors sur PS4. Sur Xbox. Voilà. Et ici aussi, il y a du Game Pass et tout. Je vais vous montrer Game Pass. Il est plus cher, je crois. Là, ici. Oh! Ah non, ouais, il est plus cher. Les gars, parce que ça, c'est le mois d'essai, en fait. Il n'y a pas le... Il y a que le mois d'essai. Ah, merde. Dommage. Moi, je vous conseille de prendre les 3 mois directement. Parce que ça, c'est pas des mois d'essai. C'est pas le 3 mois d'essai, là, c'est... Comme ça, vous pourrez les prendre plusieurs fois. 17€. Sur la Xbox, c'est... Ça doit être dans les 24€, je crois, sur Xbox. Hein. Voilà, prenez plutôt celui-là, là, celui-là de 3 mois. Voilà. Il est même plus en stock. Voilà. C'est parti comme des petits pains. Alors, voilà. Il coûte que 17,49€, ça va. Voilà, j'ai pas trop parlé du PSN. Voilà, ici, il y a du PSN aussi. Et, ah, il est moins cher, regardez. Ah, ici, il y a du français, regardez, les gars. Ici, c'est des euros, il n'y a pas de dollars. Et ça, c'est bien, je trouve. Voilà. Si vous êtes plutôt un joueur PS4, allez sur Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos abonnements. Il y a beaucoup de jeux aussi sur G2A. Et voilà. 90 jours. Ça fait combien, 90 jours? 90 jours, ça fait 3 mois. Sur PS4, c'est 25€, hein, si je me trompe pas. 20 ou 25€, je sais pas. Moins 20%, ouais, 25€, voilà, j'avais raison, c'est marqué là, prix de vente conseillé 25€, c'est la vente console. Ouais, là, celui-là est plus avantageux, celui-là, 49€. Il est même plus en stock, regarde, ça part comme des petits pains. Ah ouais, ici, ça part comme des petits pains. G2A, il y a plus de stock, j'ai l'impression. Voilà, regardez, carte 20€, ouais, ça va, bon. Ça vaut pas le coup la carte 20€. Plutôt la carte à 50€. Vous faites économiser, allez, 6€ à peu près. 6€, voilà, vous avez mettre des clés GTA là. Voilà, Access Beta, Sukozo. Access Beta PS4. Eh ben, regardez. Recevez un email, ok. Eh ben, allez faire si vous aimez Battlefield 5. Moi j'ai pas PS4, alors je peux pas le faire, je crois. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commander sur ces sites, voilà, c'est des très bons sites, enfin applications. Il y a le site aussi sur internet, voilà, c'est mieux l'application, ça va plus vite. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était David, allez, ciao ciao les gars.